L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Ministère public compte, M. Cécé Raphaël Abba, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kegboro Kamara, M. Ibrahim Kamaradi Kalonzo, venez s'il vous plaît. M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, Parti civil. M. Ouri Baye Loba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Continue les plaidoiries de la défense avec les conseils de M. Moussa Dadis Kamara. On va appeler Maître Almami Samori Traoré. Monsieur le Président, honorable assesseur, c'est un grand honneur et un privilège dans ma jeune carrière d'avocat de plaider devant votre auguste juridiction. Je le dis, Monsieur le Président, honorable assesseur, parce que je ne suis pas un habitué des prétoires, normalement, contrairement à ce que tout le monde pourrait penser. Monsieur le Président, je considère que plaider devant vous et vos assesseurs, c'est un honneur. Je sais pourquoi je le dis, et vous le saurez un peu plus tard. Monsieur le Président, je prends la parole au nom du capitaine Moussa Dadis Kamara, président de la transition, président du CNDD au moment des faits pour lesquelles votre juridiction est saisie. Je voudrais, Monsieur le Président, honorable assesseur, remercier cet homme pour la confiance qu'il a placée à ma personne d'assurer sa défense
et de l'assister dans le cadre de ce procès historique. Ça, c'est un privilège. Il y a énormément d'avocats en Guinée. Et ce choix, je pense, certainement, il a réfléchi et il est parvenu à cette conclusion-là. Je voudrais solennellement le remercier. Je rappelle qu'au moment où il était chef de l'État, j'étais encore à l'école de droit. J'étais en deuxième année droit, ce qui veut dire que ces événements se sont déroulés pendant que j'étais étudiant. Donc, si en ce moment précis, après que ces faits se soient déroulés, l'instruction terminée, qu'à 2 mois de l'audience du début de ce procès, que je sois constitué à côté d'Emile Ang, avocat. Pour moi, c'est un honneur, c'est un privilège, et je voudrais le remercier. Monsieur le Président, honorable assesseur, c'est aussi un honneur et un privilège d'être désigné comme celui qui va prendre la parole en premier pour assurer la défense du capitaine Dadis, dans son collectif d'avocats, je veux dire. Et n'oubliez pas, Monsieur le Président, que dans la tradition du barreau, c'est que le plus ancien ou le bâtonnier parmi nous, ou le plus ancien membre du Conseil de l'Ordre, ce sont eux qui devraient normalement prendre la parole, avant que nous autres qui sommes des jeunes qui n'avons pas assez d'expérience dans ce type de procès. Cet honneur, Maître Antoinette Ouédraogo, qui a 40 ans de barreau et qui est une ancienne bâtonnière du barreau de Burkina Faso, qui est présent aussi aujourd'hui, je voudrais lui rendre un hommage particulier pour l'humilité qui la caractérise, pour son sens d'écoute, pour, je veux dire, l'encadrement qu'il nous a donné à l'occasion de la préparation de ce procès. Je me souviens encore de notre voyage à Ouagadougou, où elle nous a accueillis dans une ambiance de convivialité et de confraternité qui caractérise cette noble profession qu'est la profession d'avocat. Je voudrais la remercier et de sa présence à nos côtés. Je voudrais remercier également les autres confrères. Maître Dina Sampil, qui est un ancien bâtonnier, et dont l'honneur, la considération et l'intégrité a failli être mise en cause dans le cadre de ce procès par une personne dont j'aurai le temps, l'opportunité de m'expliquer sur ce qu'il représente et également ce qui peut être la valeur des informations qu'il porte à la connaissance de votre respectable juridiction. Monsieur le Président, ce bâtonnier est pour nous un monument de par la connaissance du droit, de par son expérience et de par ce qu'il nous a appris dans le cadre d'un procès, et surtout dans le cadre de la préparation de ce procès. Je voudrais saluer le bâtonnier Maître Dina Sampil. À côté d'eux, je voudrais remercier particulièrement celui que j'appelle affectueusement mon beau, Maître Pierre-Antoine, qui a quand même été, bien que nous soyons opposés dans plusieurs procédures, mais voilà quelqu'un qui a le sens de l'avocat, qui a ce métier-là dans l'âme et qui l'exerce avec une telle éloquence, une telle intégrité que
dans le cadre de ce procès, quand j'ai entendu certaines personnes dire le mêler à certaines situations, ça m'a fait mal. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir là-dessus.